Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Genshin Impact. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au tristement célèbre Hayato Faceless. Cette histoire a pas mal fait le tour de la sphère Genshin Impact. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas prêté l'oreille à cette histoire, ou peut-être que vous connaissez cette histoire mais que vous n'avez pas tout suivi. Dans tous les cas, laissez-moi prendre le temps de vous expliquer ce qu'il s'est passé en détail, vous allez voir que cela a pris des proportions inattendues. Tout commence entre le 10 et le 18 novembre 2022 avec un joueur russe qui joue principalement Diona. Ce joueur se rend compte qu'à plusieurs endroits, lorsqu'il effectue ses quêtes et son farm quotidien, apparaît au loin derrière lui un personnage de dos. En plus de ça, la plupart du temps, il n'apparaît que la nuit. Au bout d'un moment, il finit par trouver ça assez étrange, car d'après ses amis qui sont aussi joueurs de Genshin Impact, tout ça n'est pas normal, sachant que le joueur russe joue toujours en mode solo. Suite à ça, il décide de mener son enquête jusqu'au soir où l'occasion de se rapprocher du personnage au loin se présente. Pour lui, c'est enfin le moment d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ce personnage semble trait pour trait être Hayato Kamisato, personnage populaire non seulement pour son design mais aussi pour son histoire. Il est le grand frère de Ayaka Kamisato. Le joueur russe continue de s'approcher jusqu'à pouvoir voir son visage, sauf qu'à ce moment-là, il réalise que Hayato n'a justement aucun visage. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce que je viens de vous raconter a été filmé par téléphone, la vidéo a été partagée sur TikTok et a suscité énormément d'intérêt car elle a été vue 790 000 fois dans sa version originale qui est le russe. Elle a ensuite été traduite en anglais pour cumuler 1,6 million de vues. Vous l'avez compris, cette vidéo a largement passé les 2 millions de vues si on cumule tout ça. Tout ça en 24 heures, voici la vidéo traduite en anglais. Dans cette vidéo, au-delà de ce qu'il se déroule, le joueur russe nous partage plusieurs informations. Une des plus notables et qui pourrait expliquer pourquoi son jeu est « hanté » entre guillemets par Hayato Faceless, c'est le fait qu'il n'ait pas téléchargé Genshin Impact sur le site officiel, mais sur un site non officiel. Il se pourrait que ça explique de nombreux bugs, ainsi que l'apparition non désirée de Hayato sans visage. Ce n'est pas tout, car le jour même après cette première vidéo, une seconde vidéo est postée où le joueur russe montre à la communauté qu'il est actuellement en train de redémarrer le jeu, en train de revérifier les fichiers du jeu afin de potentiellement régler le problème. Je n'ai pas retrouvé la vidéo en question, mais d'après les informations dont je dispose, cette vidéo aurait cumulé plus de 1,5 million de vues. Vous commencez à comprendre pourquoi cette histoire a vraiment fait le tour de la communauté engagée dans Genshin Impact. Là, sur une seule et même journée, avec ces deux vidéos, l'histoire de Hayato Faceless a fait pas loin de 4 millions de vues et ça ne s'est pas arrêté là. À partir de là, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il se passe réellement. Certains pensent que tout ça n'est qu'un coup monté pour faire le buzz. D'autres sont convaincus que tous ces événements sont liés à cette version de Genshin Impact non officielle qui serait corrompue. En tout cas, les échanges de la communauté sont vifs. Peut-être qu'à ce stade de l'histoire, vous-même qui regardez cette vidéo, vous ne savez pas trop quoi en penser. Mais peut-être que la suite de cette histoire va vous éclairer. Le 11 novembre 2022, une nouvelle vidéo fait suite aux précédents événements et cette fois-ci, un nouveau personnage fait son apparition. La scène semble se passer au bord d'un ravin et on y voit Ito ainsi qu'Hayato dans ce qui semblerait être un conflit. En tout cas, la mise en scène laisse penser qu'Ito est en train de pousser Hayato dans le vide. On serait donc en train d'assister à un... La communauté à ce stade est toujours partagée. Est-ce vraiment une mise en scène pour faire le buzz ou est-ce que le joueur russe serait réellement victime d'une mascarade car rappelons-le, selon ses dires, sa version de Genshin Impact est tout sauf officielle. Donc est-il possible que la personne à l'origine de cette version non officielle ait créé toutes ces scènes pour secouer internet en sachant que tôt ou tard cela allait faire du bruit? Toujours dans l'attente de réponse, c'est 5 jours après, le 16 novembre 2022, qu'une nouvelle vidéo semble donner sens à toute cette histoire.
Le joueur russe filme la description in-game de Hayato et la communauté fut surprise de voir que la description du personnage est loin d'être celle de la version officielle. On peut même dire qu'elle est totalement différente car elle nous dit « L'énigme doit être résolue par la créature qui est prête pour un chemin difficile et long vers la vérité. Pour obtenir la clé d'une certaine mémoire, trouvez-moi à côté de la « chose spéciale » de la « divinité ». On remarque que le Hayato n'a toujours pas de visage et suite à cette énigme, une localisation est définie et c'est là que se trouve la suite de notre histoire. Le lendemain, le 17 novembre 2022, une nouvelle vidéo est postée à l'endroit décrit par cette énigme. Il semblerait que ce soit un lieu proche de Mondstadt. Nous y retrouvons Ito qui semble posté de façon à monter la garde. Intrigué par cette situation, le joueur russe décide de continuer d'avancer en passant la garde d'Ito et se retrouve un peu plus loin, nez à nez, avec, vous l'avez deviné, Hayato sans visage. On aurait dit que Hayato aurait été fait prisonnier par Ito. Cette vidéo cumule 140 000 vues en 24 heures, et même si à ce stade, la majorité des personnes suivant cette histoire sont convaincues que tout est totalement faux, une autre partie des joueurs sont pris de passion pour tous ces événements et le mystère qui entoure cette histoire. Certains iront même jusqu'à dire que ces situations sont beaucoup plus excitantes que l'histoire originale présente dans la version officielle du jeu. Une partie de la communauté commença à suivre attentivement les événements comme une sorte de série, et il y a de quoi car de plus en plus d'éléments sont exposés par le joueur russe, comme par exemple cette vidéo sortie elle aussi le 17 novembre. Elle nous montre des notes ainsi que l'implication d'un nouveau personnage qui n'est autre que l'archon Electro, la Shogun Raiden, qui se présente elle aussi sans visage. Les notes présentes dans cette vidéo sont très intéressantes car elles nous partagent des informations sur le personnage d'Ito qui serait atteint d'une sévère dépression. Cela nous explique qu'il est actuellement en train de suivre une nouvelle forme de thérapie expérimentale et qu'il a une prescription médicale pour pouvoir surmonter certains symptômes. La note affirme que Ito s'est réveillé en hurlant après une dose de médicaments en parlant d'autres univers, mentionnant que Hayato est dangereux pour l'univers 2. Il montre ensuite des entrées de journaux stipulant que Shogun Raiden appelait Hayato le dieu des ténèbres. C'est le 18 novembre 2022 que cette histoire prend fin en vidéo avec les conclusions du joueur russe qui partage sa théorie où il explique que Hayato est semblerait-il une victime de Ito, que Ito était un fou devenu amnésique suite à son traitement et que des années plus tard, suite aux paroles de la Shogun Raiden, il retrouve la mémoire. S'en est suivi une traque contre Hayato, ce soi-disant dieu des ténèbres, pensant que l'univers était en danger. Suite à ça, énormément d'artistes se sont épris de ces histoires. Il faut dire que le Hayato Faceless a réuni une bonne partie de la communauté. On peut même dire que certains sont fans de cette version du personnage. Le 17 novembre 2022, il y avait déjà des dessins qui avaient récolté plus de 40 000 likes. C'est le cas de Islabou Art avec ce dessin, ou de Softies avec celui-ci qui récoltait plus de 34 000 likes. On peut retrouver sur la plupart des fanarts Hayato, Ito et la Shogun Raiden,
mais aussi le personnage principalement utilisé pour nous raconter toute cette histoire, Diona. C'est ainsi que l'histoire s'est énormément propagée sur les réseaux, rassemblant de plus en plus de joueurs et de curieux, jusqu'à aujourd'hui où nous en parlons encore avec cette vidéo. Pour vous partager mon avis vis-à-vis de tout ça, je pense qu'évidemment toute cette histoire est créée de toutes pièces pour faire le buzz. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de communiqué du joueur russe concernant tout ça. J'imagine qu'il laisse planer le mystère, mais en soi, c'est loin d'être une mauvaise chose car ça participe à l'engouement autour du jeu, et cela de façon intelligente. C'est vrai que des histoires d'horreur, c'est pas forcément ce qui te viendrait à l'esprit quand on parle de Genshin Impact, et pourtant, le mix des deux a très bien fonctionné. Ça a énormément attisé la curiosité de joueurs et même de non-joueurs, et ça, il faut le faire. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons beaucoup plus de contenu de ce type, que cette histoire motivera certains à créer et à nous partager toujours plus de choses. En tout cas, cette histoire a marqué une période dans l'histoire de Genshin Impact. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de divertissement. Votre soutien est essentiel pour faire vivre la chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour du contenu exclusif comme les stories, les sondages en rapport avec le sujet de mes vidéos, ou encore le concept 3 faits sur un personnage. Tous les liens sont dans la description. C'était La Pomme Noire. Ciao, ciao.